préférée, que la plus belle de toutes. Ah, si ça pouvait être vrai. Tu sais, ma mère va m'acheter le dernier portable, le dernier iPhone. Ça pouvait être vrai. Ça pouvait être vrai. Ma maman me propose d'acheter une parcelle de lune. Plus tard, je serai propriétaire terrien sur la lune. Tranquille et la tête ailleurs, c'était un petit rêveur. Dans la ville en rang, les enfants obéissaient gentiment, mais lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments il était différent, il était loin, 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 loin. Sujet du prochain court-métrage sera la gourmandise. Alors imaginez un petit peu le scénario que pourrez-vous faire avec ce thème sur la gourmandise. Ben, moi j'ai déjà une idée là. Oui, mais encore. Être gourmand sur certaines choses. Mais bon, vous voyez pas une petite bataille avec quelque chose de particulier? Ah oui, une bataille de Nutella. On mange plein de bonbons, du chocolat, on se mange du chocolat dans la tête, en plein dans la figure, on prend un gâteau, on verse des vermicelles dessus, on mange le gâteau, on se fait... Ça me rappelle un cauchemar. Ça me rappelle vaguement quelque chose, moi. Oui, oui, ça me rappelle un film, je sais plus le titre, mais bon, ça me rappelle quelque chose. C'était l'été dernier. Alors, tu as une idée pour faire un petit carnage de nourriture? Je t'écoute. Bah, je viens de le dire. Oui, c'était quoi? Bah, une bataille de chocolat, on s'en fout. Oui, chocolat dans la tête. Et pour. Toi, tu vois que la bagarre, dans la gourmandise. Ah, la gourmandise? Manger un gâteau tout entier. Prendre beaucoup de chocolat. Pour toi, Olivier. La routine, quoi. La routine, quoi. T'en remets. Moi j'ai plein de Nutella, oui. Du chocolat, et manger un gâteau entier. Et vous voyez une scène particulière d'apothéose pour finir un feu d'artifice, finir votre petit court-métrage. Vous le voyez comment? Bah, devant tout le monde, on est sur une scène, oui. On dit la bataille de chocolat est déclarée. On prend des trucs de chocolat, les boîtes, et on fait un de chocolat. Ça me rappelle encore quelque chose. Oui, vaguement. Vaguement. Cela va sans dire. Et vous pensez qu'on pourrait tourner cette scène ou ce petit court-métrage chez qui? Dans une maison très très grande. Vous avez un lieu particulier pour tourner Oui. Si je sais, ici. Ici, ici. Oui, ce serait bien ici. Le réalisateur nous l'a dit. Oui. Ce n'est pas pareil. Ce serait sympa aussi de faire ça ici. Oui.
Mais on dans une salle. On avertit le propriétaire ou on l'avertit après? On l'avertit après. On lui montrera ce petit reportage après avoir fait le film. C'est une surprise. C'est comme pour la pizza surprise. C'est quoi la pizza surprise? La pizza surprise, je te donnerai le numéro particulier du site de pizza surprise. Pizza surprise, tu commandes ta pizza, et puis après il y a la surprise. Ça veut dire que tu vas appliquer chez toi 30 bonhommes qui viennent faire la fête chez toi. Voilà pourquoi est-ce que c'est la pizza surprise. C'est une surprise maintenant. Oui, mais tu verras quel genre de surprise c'est. Voilà, je vous remercie les enfants.